Un petit bébé. C'est comment alors? Attends, je suis. Comment fermer ça? Comment fermer ça? Moi, je ne sais pas comment fermer ça. Ta boucle ici, je la mets de quel côté? On peut. Ça se passe comment même souvent? On n'ouvre pas. Ouais. D'accord. Et on met d'abord quoi à l'intérieur? Ah, donc toi même mets ça. Tu viens de mettre quoi à l'intérieur? C'était autre chose. Est-ce que c'était une boucle? C'est comment alors? J'ai adoré, c'était trop bon. Regarde comment elle me flatte là. Tu es en train de me flatter. Non, non. Je comprends pourquoi la Kinga. Mais c'est toi. Hein? À cause de quoi? Normalement, tu es un expert. Je t'assure. Expert en quoi? Je t'en sens très bien, je fais trop bien l'amour. Vraiment, j'ai aimé, j'ai adoré. Chérie, tu sais quoi? Si ce n'était que le sexe, la Kinda ne serait pas en train de faire tout ce qu'elle fait là. Parce que quand je pense à tout ce que je fais souvent à la Kinda et dire qu'aujourd'hui, cette fille se retrouve dans un couple où elle a été dotée, ça prouve combien de fois vous les femmes, vous n'êtes pas sérieuses. Voilà. Tu comprends un peu? Qu'est-ce qui a bien pu faire que ta copine aille dans les bras d'un autre? Tu peux me dire? Maintenant, je veux tout gâcher. Non, je te pose la question. Tout à l'heure, j'étais bien, maintenant, je veux me dire. Non, mais je te dis, sincèrement, dis-moi. Mais je ne sais pas, là, c'est la raison, ça peut être la distance. Quand tu es loin là-bas, elle est ici, autant de choses. La distance. Bien sûr. Tu penses que la distance peut être un obstacle pour des personnes? Hein? Moi, je pense plutôt que c'est l'éloignement qui peut être problématique. Puisque j'étais là tout le temps, moi, je te le dis, quand je suis de l'autre côté, je prends le téléphone, je fais des appels vidéo, audio, des messages, des photos. J'envoie ça à la Kinda à tout moment. Ça voudrait dire que j'ai quand même fait en sorte qu'il n'y ait pas d'éloignement entre nous. Hein? La distance seule ne peut pas séparer des gens. Moi, je me dis qu'elle avait déjà dans sa pensée tout simplement de pouvoir me lâcher et d'aller avec un autre. Et parlant même de cette distance-là, quand toi tu parles de la distance-là, ta relation avec moi, on va la vivre comment? Non, la Kinda, c'est la Kinda. Moi, c'est moi. Non, du coup, je ne sais pas pourquoi vous avez toujours tendance à mélanger les gens. Moi, c'est Blacky, elle, c'est la Kinda. Tu vois un peu. Et c'est quoi, tu n'es pas sûr que la Kinda t'aime de la même façon que moi, je t'aime. Parce que tu m'aimes? Bah, bien sûr. Tu vois que si je ne t'aimais pas, c'est que je me suis retrouvée là. Toi, tu m'aimes? Mais bien sûr. Non, 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 je suis désolée, chérie. Je suis désolée. Tu ne m'aimes pas. Tu comprends un peu? Mais pourquoi tu dis ça? Non, non, tu ne m'aimes pas. Je vais te dire, tout ce que nous sommes en train de faire là présentement n'est que physique. Tu comprends un peu? C'est-à-dire que tu ne m'aimes pas. C'est juste pour le plaisir. Nous sommes là pour le plaisir. Quel pour plaisir? Le moment. Mais c'est ça. Nous sommes là, ce sont nos corps qui sont en train de s'exprimer parce que nos cœurs, je sais que véritablement, ils ne causent pas. Ils ne parlent pas déjà. Peut-être que le tien, mais pas le mien. Est-ce que tu es dans mon cœur pour savoir ce qu'il dit? Blackie. Mon cœur me parle et mon cœur, je te dis, c'est comme je te dis. Tu m'aimes. Je suis en fait d'été. En fait, c'est même pas, je sais pas un débat. Je t'informe, c'est que une tu m'aimes. Information. Que tu m'aimes. Oui, je t'aime. Voilà, l'amour à l'africaine. C'est drôle. Mais c'est très drôle. Tu ne me connais même pas. Tu n'as pas appris à me connaître. Tu ne sais rien de moi. Mais subitement, comme ça, tu te retrouves en train de me dire que tu m'aimes. Tu m'aimes de quelle façon? Ça ne veut rien dire. On n'a pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin de 10 ans pour connaître une personne. Tu n'as pas besoin de 100 ans. Ça ne veut rien dire. L'amour, c'est l'amour n'a pas besoin de temps. L'amour, ça se développe là, et puis c'est j'ai tout. Plus peur, j'ai plutôt peur, d'accord? J'ai plutôt peur que ce ne soit un coup de foudre. Tu comprends un peu? Un coup de foudre. Et moi, je te dis, nous allons prendre le temps. Est-ce que c'est un enfant pour faire les coups de non. foudre? C'est avant. Attends, est-ce que l'amour a un âge? Est-ce que le coup de foudre a un âge? C'est est-ce que âge. Non, tout ça n'a pas un âge. Le sentiment n'a pas d'âge. Donc, je suis en train de te dire, moi, je suggère qu'on prenne d'abord du temps. Le temps. Qu'on puisse, oui, qu'on attends, puisse mieux s'étudier. Attends, dans l'amour, il y a le temps. Oh là là, je vais te dire une chose. Commençons et continuons à faire l'amour. D'accord? Continuons à faire l'amour. On verra pour ce qui est des sentiments, ce qu'il en sera. Pour le moment, moi, je ne peux pas te dire que je t'aime. Je me sens bien avec toi. J'ai bien aimé la façon de t'exprimer au lit avec moi. Mais franchement, je ne t'aime pas encore. Je suis désolé de te le dire. Parce que je ne peux pas aimer une femme là en quelques 2-3 jours, on s'est vu une semaine, et puis déjà je te parle d'amour, je suis désolé, je me sens bien avec toi, tu comprends pas? En tout cas, ça c'est ta conception de voir les choses, donc tu as ta manière de prendre les choses, tu as ta façon de vivre, moi je l'amène, moi je te dis, je t'informe que en tout cas, il faut, j'ai compris, il faut fermer ton truc là.
ton vêtement. Oui. Vous les filles, vous êtes toujours comme ça. Quand vous rencontrez les mbengistes, tout de suite là, l'amour naît. Parce que le mbengiste, parce que derrière, oui, parce que derrière ça, je sais que donc, tu tiens à moi. Mais les hommes, est-ce qu'ils sont benguistes? Moi, je sors, peut-être toi, tu es là à la quête des héros que j'ai apporté, ou bien tu rêves de voyager derrière moi, qui sait. Pas besoin de ça. En tout cas, on va prendre le temps. Tu m'as dit que tu vis avec qui? Je vis en famille, avec ma tante, nos soeurs. En fait, nous sommes en famille. Ah, d'accord, je vois. Et toi, j'imagine que tu rentres bientôt. Oh oui, il y a quelques dossiers à finaliser là. Dès que tout est fait, je vais prendre la route. Il faut que je retourne. Il y a mes effets qui sont là-bas, qui doivent être, n'est-ce pas, qui doivent prendre la route. Parce que je t'ai dit, habituellement, je fais des conteneurs et j'envoie la marchandise au pays. J'envoie des choses de l'autre côté ici. Donc voilà, il faudrait que moi-même, je sois sur place pour vérifier que tout se passe bien. Donc je vais rentrer vraiment d'ici peu. Mais t'inquiète, je vais toujours t'appeler, même si tu es où, quel que soit le lieu où tu es. Justement, c'est ça le problème. Toi, tu vas m'appeler, toi, tu aimes tes choses, tes coups comme tu aimes là. Quand tu vas me dire que mon cou m'a un peu. Écoute, mets un peu tes chaussures. Je ne sais pas de quoi tu veux me parler là. Tu vas me parler de quoi maintenant? Faut que tu me dises. Quand tu vas me dire que tu es où? Je veux voir ta poitrine. Je veux voir mon cou, moi, les choses. Si ma tante est là, je vais faire comment? Attends, chérie. Est-ce que tu n'as pas ta chambre? Non, quelle chambre? Je dors avec ma petite soeur. Tu dors avec qui? Ma petite soeur. Imagine-toi que tu veux faire la belle vidéo et ma petite soeur est là couchée à côté de moi. Tu vas me dire que ouvre ton bouton, montre moi ça. Donc tu veux, je vais faire des bêtises là devant l'enfant. Ouais. Sans te tromper, moi, je te dis déjà que j'aime ça. J'apprécie beaucoup ça. Voilà. J'aime bien ce genre de vidéos et tout. Donc, puisque l'amour se nourrit de tout cela. Mais sincèrement, ce que moi, je te dis, est que si tu dors avec tes sœurs et tout ça, ouah, ce sera fatigant. C'est compliqué. Je vais... Attends, tu veux déjà en venir où? Donc, il faudrait déjà là que je te trouve aussi un abri. Non, pas un abri, c'est pas comme si je vivais dans la rue, c'est juste que tu me trouves un appartement, donc pour que je puisse être... Attends, jusqu'à l'appartement, pourquoi pas une chambre? Une chambre peut aller, même si elle n'est pas moderne, pour un départ, tu restes d'abord là. Hein? C'est quoi le souci? Hein? Dans tous les cas, il n'y a pas de problème, c'est la chambre, les anciens qui veulent tout. Dans tous les cas, j'ai compris. Nous allons nous revoir très bientôt. J'ai aimé ta compagnie, tu comprends un peu? J'ai aimé ça, donc nous allons continuer... à le faire, nous allons continuer à nous voir. Dans tous les cas, on se revoit au plus tôt. Tu es d'accord? Sûr. Oh, ouais, on va se vous connaître. Après, non, tu n'as même plus ma non, 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 on va se revoir, mon bébé. D'accord? On va se revoir. Hein? Tu restes tranquille. D'accord. Voilà. Tu vas à la maison, tu vas te reposer. Je te fais un dépôt tout à l'heure. D'accord? D'accord, merci. Bye bye. Bye. J'ai aimé. Hein? Ça a été. Bye bye. Okay. Bisous. Vraiment, vraiment. Les filles, vous n'allez pas cesser de m'étonner. Donc, aussitôt comme ça, tu as vu Rob le Grizzly, le mbengiste. Tu es devenue amoureuse au point où je dois déjà te louer un appartement. Une vraie rêveuse, franchement. Dans tous les cas, j'ai validé. On verra la suite. Elles étaient même deux, non? Oh, viens ici, viens. Attends. Approche ici. Tu sors d'où? Je vais à l'église. Tu étais où? À l'église. L'église du jeudi. Hein? Viens te placer ici. Ici, devant moi. Je m'adresse à toi. Tu sors d'où? À l'église. Attends, quand je ne suis pas au pays, on me parle de toi. Tout le monde me dit que tu ne restes jamais à la maison. Le gardien, il parle. Tes tantes qui viennent ici, tout le monde me dit la même chose. C'est parce que je pas quoi à l'église maintenant. Quelle église? Ta Bible est où? Ça reste à l'église. Tu sais, je t'avais fait une promesse, n'est-ce pas? Je t'avais dit quoi? Que tu devais me retrouver de l'autre côté, vrai ou faux? Approche-toi ici quand je te parle. Je te l'avais dit, vrai ou faux? Ok. Il se trouve donc que tu es en train de me faire réfléchir. Parce que depuis que je suis au pays, tu ne cesses de me faire
Donc, de me donner des maux de tête. J'ai des céphalées quand je pense à ta façon de vivre. Tu ne peux pas être là tout le temps. Tu montes, tu descends. C'est comme si tu as mangé les fesses du chien. Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Le congélateur n'est pas plein. Il n'y a pas les réserves à la maison. Tu n'as pas les images à la maison. Hein? La boxe ne passe pas. Ça passe. Et? Je ne sais pas pourquoi l'église est en... C'est combien de temps? Tu n'as pas une Bible, tu ne peux pas lire ta Bible à la maison. Tu ne parles quoi les examens? Les prêtres sont là-bas pour vous donner des épreuves. Passe là-bas, passe là-bas. Et je vais te dire une chose. Écoute, je t'ai dépassé. Je vais te dire une chose. Je vais acheter les chaînes pour toi. Il faut qu'on t'enchaîne. Ça, je te le dis. Elle est là. Et je suis toujours là. Je... Passe, passe ici. Regarde ça. Oui, bien. C'est comment? Ah, ça va. Moi, je suis là. Je me porte bien. De Dieu. Très bien. Qui sait, tu me manques. Oui, je n'ai pas oublié. Hey, est-ce que je peux oublier le programme d'aujourd'hui? Maman, tu dis quoi comme ça? Non, chérie, t'inquiète, je vais venir. Même si c'est la pluie des cailloux, je vais venir. Même si c'est le vent qui fait quoi, je vais sauter arriver là-bas. T'inquiète, je ne peux pas te mentir. Okay. Je t'aime aussi trop fort. Je t'aime sans te mentir. Ouais. Dès que je quitte. C'est quoi? J'en remets. Quoi, il te donne? Donne-moi le téléphone là. Donnez quel téléphone? Attends. C'est ton téléphone. Je m'adresse pas toi. C'est ton téléphone. Tu parles avec qui? Je parle avec maman. C'est maman que tu dis que je t'aime. Bien sûr. C'est un nouvel amour. Ah, moi j'aime ma mère. Moi j'ai déjà ma mère tous les jours. Madame, donnez-moi ce téléphone. Ouais, je ne le donne pas. C'est mon téléphone, c'est pas ton téléphone. Tu ne me donnes pas le téléphone. C'est ce qu'elle dit. Donne-moi le téléphone là. Je dis que je ne le donne pas. Comment ça? Faut que tu me fies. Tu as osé mettre main sur moi, n'est-ce pas? Comment? Tu as osé mettre main sur moi, n'est-ce pas? C'est maman ici. C'est quelle maman ici? C'est maman. Maman, c'est maman ici. C'est maman. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Tu ne sais pas lire. Tu joues avec moi. Ma mère est mon bébé. Ma mère est ma chérie. Ma mère est mon tout. Madame, vous jouez bien ici. Regarde-moi ça. Regarde. Regarde. Hey, alors laisse-moi un peu, regarde, parce que moi qui dois aller manger ça. Madame, donnez-y. Ouais, laisse-moi. Et je fais comment? Comme je fais comment? Je fais un homme. Aïe, chérie, pourquoi tu me tapes? Laisse-moi. Tu me connais. Donne-moi mon téléphone. Je ne donne pas. Ça va pas finir comme ça. Je ne donne pas. Si tu veux, va appeler ton gros bras. Va là-bas. Toi, tu... Laisse-moi. Tu vas aller chercher mon frère. Non. Attends. Bande de connard. Où est le watch comme ça? Ouais, mon fils. Pourquoi tu fais même que continuer à y aller en gâtiment? Je suis obligé d'aimer un truc comme ça. Les conneries comme ça. Comment? On va voir ça.
Je vais encore le voir comment. Je peux te mouiller. Hein. C'est pas un problème. Alors, mon bébé. J'espère que tu as aimé. J'ai hyper aimé. Mais ce qui m'énerve, c'est que pourquoi tu as préféré m'amener à l'auberge que d'aller à la maison? Non, là. Ça, déjà, je vais te rappeler. Je me posais franchement les questions sans te mentir. Je vais donc. Tu penses au moins que tu as une maison, mais tu préfères m'amener à l'auberge. Non, je vais d'abord te faire un rectificatif. Ici, ce n'est pas l'auberge. Ici, ce n'est pas une auberge du tout, du tout. C'est un hôtel. Mais même si c'est à l'hôtel, pourquoi as-tu préféré m'amener là? Et pourtant, tu as une très grande maison. Tu ne sais pas pourquoi? Tu veux vraiment que je t'explique? Tu savais dire que tu as déjà une femme chez toi, c'est ça? Ah, ça, c'est selon toi. Mais je ne sais pas si j'avais une femme chez moi, si j'avais une femme chez moi, si elle serait encore là, je ne veux pas, en train de te courir... Mais bien sûr, parce que si j'avais cette femme-là, je ne serais pas là à te courir. Bien sûr, parce que jusqu'à preuve de contraire, je suis la mère de ton enfant. Donc tu sais que tu as accès à tout. Mais tu es la mère de mon enfant. Oui. Je peux ne pas avoir des enfants avec cette femme-là, hein, si je prends une autre. Mais au moins, ce que tu me donnes au lit, elle peut me donner la même chose. C'est vrai. Ce n'est pas ça. Mais pourquoi tu as donc préféré? Ou bien parce que tu as apporté trop d'euros, tu as trop d'argent et tu as préféré venir gaspiller ça à l'hôtel. Et pourtant, tu as une très grande maison. Les chambres de toi, tu n'en manques pas. Tu ne sais même pas que c'est un véritable regret pour moi de me retrouver ici avec toi. C'est toi la cause, hein, de notre présence en ce milieu. Attends, c'est moi la cause? Oui, c'est à cause de toi. Tu n'as rien fait. Attends un peu, si toi tu étais à ma place, mon bébé, qu'aurais-tu fait? Hein? Une femme... Tu t'en vas, tu voyages, tu laisses une femme derrière. Tu te dis, j'ai laissé ma fiancée au pays, la mère de mon enfant. Je t'avais juré en partant d'ici que là-bas, je n'irai pas me lier à une autre. Je t'avais juré que là-bas, je n'irai pas faire un autre enfant. Mais toi, tu restes derrière. À peine quelques mois, tu ne peux pas supporter, hein, cette distance-là. Le fait qu'on ne puisse pas se voir. Tu veux pas la dire quoi? Mais tu es resté te mettre en couple. En couple comment? En couple comment? Mais tu vis chez un homme qui m'a interpellé dernièrement. Stop. Je ne vis pas chez un homme. Pardon? Non, là je te coupe. Je ne vis pas chez un homme. Je ne vis pas chez un homme. Je suis chez maman. Moi je suis chez maman. Parfois je me demande... Pas pourquoi tu... Qu'est-ce que tu te fais dire que je vis chez moi? Non, sincèrement, je me demande parfois si tu n'es pas... Si tu es hystérique. Hein. Franchement... J'ai parfois l'impression que moi, tu fais des choses et après tu les oublies et tout. Hein? Ton homme chez qui tu vis ne m'a pas interpellé dernièrement. Je ne t'ai pas dit qu'il m'a interpellé dernièrement pour me faire part de ta présence chez lui, comme quoi il t'a doté, comme quoi tu es sa fiancée et que je te laisse tranquille. Mon homme chez qui je vis. Oui. Tu n'es pas sûr, peut-être que tu as dû confondre quelque chose. Moi, je dis, je vis chez maman. Comment tu me fais comprendre que je vis chez un homme, ça? C'est un mensonge. Pourquoi? Parce qu'habituellement, quand tu venais ici, quand je venais, je vais dire, tu fais même que je m'embrouille. Quand je venais ici au pays, est-ce que tu passais une minute loin de moi? Tu vivais avec moi. Mais d'où se trouve-t-il aujourd'hui que je sois venu au pays, que je veux l'être avec toi, mais que cela soit pratiquement impossible? Je n'arrive pas à te voir. Hein? Donc, toi et moi, nous grignotons maintenant la relation. Quel est le souci? Le souci est que tu vis chez un homme et tu ne veux pas me le faire savoir. Si tu ne peux plus être avec moi, tu me dis, je te libère. Quand est-ce que tu vas comprendre que je ne vis pas chez un homme? Je vis avec maman. Il y a quoi? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Écoute un peu, mon bébé. Je ne suis pas dupe. Je ne suis pas dupe. Et même si j'étais dupe, franchement, je ne suis pas le dernier des dupes. C'est pour te dire quoi? Tout à l'heure, hein, quand je t'ai appelé au téléphone pour qu'on puisse se voir, oui. Hein? Dis-moi, véritablement. Je t'ai dit. Qui a arraché ton téléphone? Tu as perdu ta langue? Est-ce que tu sais que vous avez continué à faire des problèmes pendant que le téléphone était allumé? J'ai suivi tout ce que vous avez eu à faire. Vous avez bagarré. Moi, je pensais même que le jour où je te verrais, tu serais couverte de bobos. Tu serais couverte de bleus. Tu serais couverte de blessures. Hein? Tu étais en train de crier. Tu étais en train de bagarrer. Et c'est avec ce mec que tu bagarrais parce qu'il te demandait avec qui tu causais au téléphone et tu prétendais que tu allais chez ta mère. Tu comprends maintenant? Tu vois que tu n'es pas honnête envers moi. Bon, ok, chérie, je vais te dire la vérité. Ok, je vais te dire la toute vérité. Je t'écoute. La vérité, ce qui se pose, c'est quoi?
je vais chez maman. Et je me suis rendue chez Baby. C'est lui chez qui Joyce est notre fille. Alors je suis partie rendre visite à notre fille. Attends un peu, tu veux vraiment que je te croie là? Tu dis bien notre fille, mais cette fille qui continue de m'appeler tonton, cette fille à qui tu as fait, je ne sais pas à qui tu as donné un autre père, et ce père aujourd'hui a dû le reconnaître. Tu veux que je fasse quoi? Est-ce qu'à un moment donné, je me suis lassée de pouvoir prendre soin de notre enfant? Mais chérie, il a reconnu l'enfant, c'est vrai, mais l'enfant n'a pas, son acte de naissance ne porte pas encore son nom. Il a reconnu l'enfant, c'est vrai, mais nous n'avons pas encore fait l'acte de naissance. Pardon? Oui, nous n'avons pas fait l'acte de naissance. Oh là 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 là, ton mensonge est rétif. Il est vraiment récalcitrant, ce mensonge-là. Alors, tu ne tardes pas à pouvoir t'en débarrasser. Attends. Mais je te dis, sincèrement, ce n'est pas bon. Attends. Hein? Donc, si je veux bien comprendre, tu as préféré écouter ce que lui, il est venu te dire. Non. Il peut venir te dire de n'importe quoi parce qu'il sait que lui, non, toi et moi, on va finalement finir par se Non, mais lui, c'est qui? Mais sincèrement, à un moment donné, tu me fais déjà penser que tu es une personne sans vergogne. Non, ce n'est pas ça. Sincèrement, non. Je ne comprends rien du tout. J'ai dit non, ce n'est pas ça. Que voudrais-tu que je fasse pour te prouver mes sentiments? Que voudrais-tu que je fasse pour te prouver que je veux être avec toi? Hein? Tu agis là comme une personne donc, sans scrupules. Tu t'en fous. Tu es là, tu mènes ta vie comme tu veux. Tu montes, tu descends. Tu vis chez un homme. Mais pendant ce temps, tu me laisses croire que tu es avec moi. Hein? À ce rythme-ci. Mais je suis avec toi. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? C'est ce que tu dis. Je c'est ce que ta bouche toi. Dit. Mais... Je ne vois pas c'est les faits, ne suivent pas. Et ma conscience me c'est juge ce que je suis dit, et les faits toi. Ne suivent pas. Non, non. Bref, en tout cas, moi, je t'ai parlé. Hein. Je te dis encore et je répète. Si tu trouves que tu es avec moi, mets-toi avec moi. Et mets-toi vraiment à fond avec moi. Ta maman, tu parles de ta maman. Depuis que je suis là, je ne l'ai pas vue. Ta famille, tu ne me fais pas voir les membres de ta famille. Et c'est comme ça chaque Est-ce fois que je viens ici. M'as-tu déjà proposé cela? M'as-tu déjà fait rasseoir que la Kinda, je veux que... peut-être demain ou après-demain, je vais me responsabiliser venir voir ta famille. L'homme que tu prétends être ton homme. Pardon. L'homme que tu prétends être ton homme, pourquoi tu ne me dis pas, chérie, viens, j'ai organisé peut-être un petit repas chez maman, on va, je te présente ta maman. On va vivre comme ça, je suis Donc, le père de ton enfant. Je avant que tu ne voyages pas aller en Europe, je t'ai déjà fait part de ça, que quand est-ce que tu vas me faire asseoir et me dire que cette fois-ci, je suis vraiment Mais je n'avais pas les moyens. Je n'avais pas les moyens. C'était un problème de moyens. Chérie, je suis rentrée, j'ai des baby, moyens et maintenant tu es baby, là. Écoute, hein? Pour construire une maison, il ne faut pas qu'on achète les papins en une seule, donc un seul jour. On achète chaque jour, on achète un papin. Parce que si on veut garder l'argent pour acheter 1000 papins, on va finir par utiliser cet argent. Quand tu sois pauvre ou riche, moi je ne veux pas un homme qui est riche en porte-monnaie, je veux un homme qui est riche en amour. Alors tu pouvais toujours venir voir mes parents et leur faire part de ça. Que bon, c'est Ce moi. N'est pas le langage que tu avais il y a de cela quelques années quand j'ai. C'est parce que là maintenant tu ne veux pas d'argent, pas que tu n'avais pas de moyens. Non, à ce moment-là tu me disais quoi? Tu me disais non, quand j'ai insisté que je veux voir tes parents aussi, tu m'as dit ça. Avant de te décider, c'est quand je t'ai annoncé que j'ai eu mon visa que tu t'es décidé à me présenter au tien. Mais avant ça, tu me disais quoi? Que chérie, non, ne soyons pas pressés. Toi-même, tu vois ta condition actuelle. Si on arrive à aller devant eux, je ne veux pas qu'on te méprise ou que tu sois ridicule devant mes gens. C'est ce que tu me disais. Moi, il n'était pas opportun. Oui, parce que tu trouvais que je n'avais pas les moyens. Et le jour où tu as trouvé mieux de me présenter, c'est le jour où j'ai obtenu mon visa. Chérie, écoute. Et moi, voici de retour. Depuis que je suis là, pourquoi tu ne m'amènes pas chez tes parents? Pourquoi je ne vais pas voir ta mère? Pourquoi? Je ne dois pas connaître les tiens. Chérie. Pourquoi l'enfant est toujours là? On est là, le même jour, l'enfant. Ça ira jusqu'où? Est-ce que c'est normal? C'est normal? Donc moi, je t'ai amené ici à l'hôtel pour te débarrasser de ces mauvais esprits ici. Et ce sera comme ça dorénavant. Tant que tu ne me présentes pas aux tiens, les mauvais esprits que tu t'en vas puiser chez ton, je ne sais pas comment je vais l'appeler cette fois-ci, ton flibustier. Ce flibustier-là, chez qui tu t'en vas, ce bachibouzouk. De que tu appelles ton homme, ces mauvais esprits donc que tu t'en vas puiser là-bas. Moi, je ne veux pas qu'ils viennent emmerder ma maison. C'est pour cela que désormais nous allons voir l'hôtel. Tant que, ou alors tu vas faire un choix de vie. D'ailleurs, soit tu es avec lui, soit tu es avec moi. Et pour finir même, quand tu vas décider de venir vers moi et qu'il faille qu'on aille à la maison, désormais ce que nous allons faire est que simplement je vais faire venir un homme de Dieu.
soit un imam, soit un pasteur, soit un prêtre. Comme vous dites, est-ce que je suis possédé? Ah, je sais ce que c'est. J'ai un démon. Quelqu'un qui m'a dit que lui, il traite avec les écorces comme moi je traite avec le shawarma et les caviar. Je sais qu'il il baptise avec quoi. Je sais qu'il traite avec quoi. Donc, tout mais chérie, écoute, tout ça, ce sont les paroles des êtres humains. Ils sont toujours là pour dire les choses pareilles, pour nous faire peur. Non. C'est la parole qui a fait le monde. On dit au commencement, était la parole. C'est la parole qui a fait le monde. Donc, moi, je te dis, tu vas faire un choix de m'amener, comment dire, tu vas faire un choix de revenir vivre à la maison. Et si tu ne peux pas venir revivre à la maison, va avec lui. Mais si d'aventure, tu penses à revenir à la maison, tout compte fait, ce sera une très bonne chose. Et je vais faire venir un homme de Dieu qui va t'exorciser, qui va te purifier avant de pouvoir nous mettre ensemble. Moi, je suis un gars fidèle. Hein? Je suis fidèle. Je suis très fidèle, oui. Est-ce que je peux savoir le maximum d'efforts que toi, tu passes le temps à faire en Europe? Parce que je sais ce que tu Je t'ai dit, je suis en couple en Europe avec mon travail, uniquement. Jamais. Je ne peux pas te croire. Est-ce que tu me connais? Tu es là-bas avec moi. Là, je ne peux pas te croire. Ça fait déjà combien d'années, Coucou, que tu es partie en Europe? Mais je suis partie, ça fait des années, mais tout le temps. Notre fille a quel âge aujourd'hui? Elle a 11 ans. Et ça fait combien d'années tu t'entends parler? 11 ans que tu es partie en Europe. Mais je t'aime. Juste parce qu'on fait les appels vidéo. Peut-être si j'ai besoin de temps, je fais comment? On va faire un gros téléphone. Mais c'est ce qu'on faisait. Et jusqu'à ce que tu refuses. Qu'on ne le fasse plus. On faisait, qu'on ne fasse plus. Vrai, mais pour finir, moi, jusqu'à ce que tu refuses, qu'on ne le fasse plus. Faire l'amour à travers le téléphone n'a aucun goût. Ça veut dire que tu simulais. Tu simulais des orgasmes et des jouissances donc qui n'existaient pas. Parce que tu me disais souvent, non chérie, j'ai aimé, c'était très bon, vraiment tu as été parfait et tout. Donc tu simulais. Bref, il n'y a pas de problème. J'ai compris. La balle est de ton côté, comme j'aime le dire. Si je fais un choix, avant une semaine, tu viens me doter. Je viens voir tes gens. Tu m'épouses. Et je t'épouse même avant de partir. On s'en va. Non, tu pars. On ne peut pas partir. Non. Tu iras faire quoi en Europe? Jamais. Qu'est-ce que tu iras faire là-bas? Jamais. Qu'est-ce que tu iras faire? Tu as fait 11 ans. Cette fois-ci, si tu pars, peut-être tu vas me faire. Peut-être tu vas me faire 100 ans. Est-ce que tu penses? Écoute, un mariage, quand tu parles même de mariage, parlons même du mariage. Quand je dis même oui, on va se marier, la publication des bancs va prendre combien de temps? On doit publier les bancs. Il faudrait qu'on se marie. Et après ça, tout le reste qui va suivre, toute la procédure qui sera faite à l'ambassade, il faut envoyer maintenant. Faut, comme j'ai déjà la nationalité de l'autre côté, il faut envoyer les papiers là-bas pour justifier cela. Il faut que ça revienne. Il faut. Toutes ces choses-là. Tu n'as pas manque de moyens. L'argent, tu en as assez. Bref, tu en as. Il n'y a pas de problème. C'est vrai, l'argent ne fait pas tout. L'argent seul ne peut pas contribuer au bonheur. Si tu veux une femme pour toi, tu comprends? Tu veux une femme pour toi. L'argent seul ne fait pas le bonheur. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses. Il y a une loi. La nature a ses lois. Les États ont leurs lois. Et nous devons de respecter ces lois-là. Donc, tout compte fait, je t'ai dit, nous allons faire une chose. J'irai voir tes parents. D'accord? Je vais donner à manger. Donc, toquer la porte. Prendre ta liste. Et puis maintenant, tout au moins, quand je reviendrai, on va lancer la publication des banques. Et comme ça, on verra comment organiser. Quand je vais partir, on lance la publication des bancs, on voit comment organiser dans le mariage. Okay. Hein? D'accord? On va l'organiser. Et puis maintenant, on verra quoi faire l'ambassade, toute la procédure à mener pour qu'un jour, il puisse avoir un regroupement familial. On est d'accord? Mais sur le coup, si moi j'entends d'ailleurs, je vais prendre des gens derrière toi maintenant. Si j'entends que tu es reparti chez ce gars, toi et moi, on aura des problèmes. Et en passant aussi, je voulais te dire quelque chose. Tu sais, moi, je suis assez honnête. Hein? Je fais preuve de probité morale et ma probité me demande de toujours te dire la vérité. Donc, dernièrement, tu étais avec une fille là, tu l'appelais comment? Noire comme ça le jour où je vous ai rencontré devant ma maison là-bas. Blackie. Oui, dernièrement, je l'ai revue, elle était avec une autre fille là. Elle a dit qu'elle s'appelait Ashley. Ashley voilà. Abena. Ah, je sais pas, je crois Ashley Abena, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Oh, oui. Et elle a demandé mon numéro de téléphone. Je n'ai pas trouvé de convenient et je lui ai donné ce numéro. Elle qui? Elle était à deux. Elle qui a demandé? L'autre. Oui, elle a demandé, je lui ai donné le numéro. Donc c'est rien, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un souci. Elle a demandé ton numéro de téléphone. Non, ce n'est pas un souci ça. Et tu lui Est-ce as que c'est un problème? Oui, je lui ai donné le numéro. Donc c'était juste pour te dire ça. Donc bref, ce que nous allons faire là, Tu as donné ton numéro à Blackie. Ce n'est pas un problème, chérie. Si, c'est un problème. On a affaire, d'accord? Comme je me sépare d'ici.
Je vais me rendre chez moi. Non, je ne vais pas entendre ça. Tu m'entends? Je ne vais pas entendre ça. Tu vas entendre. Ouais, laisse-moi m'habiller. D'accord. Je m'avais fait ma toilette et comme je vais partir là, je vais me changer. Je pars chez moi, je me change, je vais me rendre chez Blagui. Laisse-moi. Elle a demandé ton numéro. Oh, oui, juste mon numéro. Rien d'autre. Donc, laisse-moi m'habiller et puis habille voilà. Habille-toi. Habille-toi. Donc, la fille a le courage de sortir mon gars. Elle a le courage. Elle se prend même pour qui? Je vais rentrer chez elle là. Aujourd'hui, c'est elle et moi. C'est quelle privation de ça? Tu es mal élevé. Tu te prends pour qui? Blacky, tu as osé prendre le mot. Je te parle, non? Tu as osé prendre le mot de mon gars. Je suis en train de te parler. C'est à toi que je parle. Me regarde pas avec tes yeux du bout là. C'est à toi que je m'en rends. Donc, tu as osé prendre le mot de mon gars. Hein? C'est à toi que je parle. Je suis en train de te parler, donc tu as osé prendre le mot de mon âme. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Donc attends, tu as osé prendre gens... le mot d'Europe. Ah! Non, les vrais gens parlent des gars. C'est juste à ce que tu ouvres mon portail, tu bouscules quand tu sors du village. Pour me demander si j'ai pris le numéro d'Europe. C'est un homme là-bas. Ferme ton clapet. C'est tu quelqu'un. Tu n'as pas pris le mot d'Europe. C'est quelqu'un là-bas. Tu n'as pas pris le mot donc, d'Europe. Donc, tu fais que je prenne le numéro d'un homme ici. Réponds à ma question. D'un homme à la route de ce numéro de l'autre là que je vais prendre. C'est un homme, madame. Tu n'as pas pris son numéro. Réponds à ma question. Pardon, j'ai pas pris son numéro. Ok, je l'appelle comme tu n'as pas pris son numéro. Attends. Tu l'appelles pour lui dire quoi? Tu n'as pas pris le numéro. Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire quoi? Tu l'appelles pour quoi? À ton avis. D'accord. J'ai pris son numéro. Ça n'allait pas m'étonner. J'ai pris son numéro. Mm-hmm. J'ai dormi chez lui. Je sors de là-bas tout de suite. Là. Tout de suite. Tu as fait quoi? J'ai dormi chez lui. Attends un peu. Blacky, attends. Blacky, tout ça c'est pour faire quoi? Tu as dormi chez moi. Qui a dit tout ça pour faire? Place-toi un peu ici là. Place-toi un peu ici. Hé 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 hé! Tu as dormi chez moi. J'ai dormi chez lui. Donc ce que tu venais faire chez Chris là, c'était parce que tu voulais Rome. Hein? Réponds-moi un peu. C'était parce que tu voulais Rome. Tu es même bête. Blacky. Hé! Donc. Hé! Tu te. Hé! Y'a dit quand tu calmes ça, viens chez moi. Et si je suis chez toi? Tu calmes tes bêtises là. Et si je suis chez toi? Tu m'arrêtes sacré rapidement. Et si je suis chez toi, tu vas faire quoi? Madame, si je suis chez toi, tu vas faire quoi? Ton repas, regardez ça. Vous deux, c'est si fini. Donc, je te rappelle, à titre de rappel, ma chérie, c'est le tête de mon enfant. C'est l'occasion pour moi de me lancer. Et je me suis lancée. J'ai fait ce que je voulais faire et je suis satisfaite. Et il t'a épousé. Je suis à l'aise. Il t'a épousé. Tu t'as dit que je le mariage. Il t'a épousé. Hein? Parle-moi, tu ne me parles pas. Mais la Kinda ne me pousse plus. Sinon. La Kinda ne me pousse plus. Sinon. Tu es brune, je suis là. Je vais te laisser les cicatrices au corps. Et quoi me fait? Et quoi me fait? La Kinda ne me pousse plus. Sinon quoi? Sinon quoi? Ah, je suis là, je blague avec toi. Hein. Et des fois que tu te rappelles que tu es chez moi, donc calme tes esprits. Ce n'est pas pour l'homme que tu vas venir chez moi faire le scandale. Toi qui parle, tu la Kina ne me pousse plus. Sinon. La Kina ne me pousse sinon. Plus. La Kina ne me pousse plus. La Kina, laisse-moi. Et que tu t'abandonnes. Donc tu venais gâter mon foyer parce que tu veux venir prendre le mot. Il me prend les fesses. Il me prend les fesses. Ah, ton mari. Ah, ton mari. Donc tu venais prendre le mot de mon mari. Et tiens, qu'est-ce qui se passe ici là? Là, tu as arrêté ça, la Kinda. La Kinda. Même toi, tu viens de vous mélanger, je vous tape en deux. Ouais. Grande-sœur. Tu te prends pour qui? Grande-sœur. Tu te prends pour qui? Toi, tu te prends pour qui? Calme-toi, mon fils, c'est comment? Calme-toi d'abord, il y a quoi? Tonton, c'est mauvais là-bas à la maison. Oui, tu demandes à Ashley, il y a quoi? Tonton, ta femme a fait des bagarres avec ma grande soeur là-bas, tonton, c'est grave là-bas. Ok.
ma femme. Oui, tonton, para Achilleo. La Kinda. Oui. Tonton, ma para... femme, tu n'as pas ce que tu comprends, petit. Non, je connais bien ta femme, t'as dit la Kinda. Ok, alors. Alors. Reste tranquille. Hey, reste tranquille. Je viens te dire un truc. Je viens te tranquille. Je viens te dire un truc. Pardon, tu me laisses. Bon, tu vas lire là sur le pouvoir de Bamenda. Tiens-moi ça. Tiens-moi ça. Écoute ce qui va se passer. Comme tu es allé chez Rob, comme ça, le roi matin n'est pas fait. Elle est son homme. Elle n'est pas bien. Ça va la maison. Tu es trop bête, prostituée, saleté. Ça ne souffre de rien. Madame. Ça ne souffre de rien. Tu n'as pas la sienne. Ça ne souffre de rien. Moi, mon autre job. Parce que tu as vu le bébé, je suis allé au bout. Oui, quand tu n'as pas vu, il y a comment tu es chez elle. Il y a comment tu es chez lui. Tu vas faire ça maintenant. Au moins, j'ai un enfant avec lui. Derrière cet enfant, on pourra profiter de quelque chose. Toi, tu as quoi? C'est qui est exactement le transport qui va te faire? Il n'a pas les enfants, ça tu parles. Ça tu parles.